Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour l'ouverture de courrier. Alors, ce courrier, j'ai enlevé l'adresse hein, pour pas qu'elle soit visible en vidéo. Ça me vient, c'est un petit remerciement, mais tu n'étais pas obligé, qui me vient de la chaîne Marie Rose, Scrap Marie Rose. Si je ne raconte pas de bêtises, je vous mettrai le i de sa chaîne ainsi que dans la barre d'infos parce qu'elle a gagné les Silky Crayons sur mon tirage au sort d'un de mes hauls, je ne sais plus du coup. Et elle a voulu me faire plaisir en me remerciant, mais fallait pas, mais je suis toujours contente de recevoir des courriers de mes abonnés, de mes scroupinettes, des scroupinous, parce que j'adore, c'est comme ça. Qui n'aimerait pas recevoir de courrier? C'est parti, donc j'ai enlevé l'adresse, j'ai découpé et on va découvrir ce qu'elle m'a mis à l'intérieur. Donc voilà, des jolis stickers. Donc je vous montre pas, hein, il y a les adresses de l'autre côté parce que voilà, elle a décoré. C'est parti, parce que. Oh, c'est la carte. Oh, ah, il faut que je garde les timbres. Ah! Je viens de voir ABC, c'est là qu'on colle les timbres. Donc, il faut que je garde les timbres et que je les colle là. Si j'ai bien compris le concept de l'ABC. Donc là, ah bah voilà. Est-ce que tu as le nom de sa chaîne? Scrapeuse Marie Rose. Elle a même son tampon personnalisé, c'est super chouette. Ça va, je pense en faire un. Et là, on découvre sa jolie carte dans les tons de parme mauve. Enfin, j'ai du mal avec les individus de couleurs. Alors, elle a utilisé des découpes feuillage, les fameuses fleurs que j'adore comme ça en tissu de chez Action, le fond encre tamponnage, les très fins de tamponnage écriture là, super joli. Que vous dire d'autre? Elle utilise la technique, vous avez vu, ça fait super ça. Moi, j'arrive pas à faire le contour avec un feutre, je sais pas comment ça s'appelle, du doodling, voilà, je pense que c'est ça. Et je trouve que ça finit super bien les créations. Des petits feuillages, voilà sa petite carte. Et dedans, ah bah oui, il y a mon petit mot, ah bah, je sais pas vous le montrer. Ah, elle a également. Donc, une chaîne YouTube et son Instagram. Bah, je vous mettrai tout ça en barre descriptive. Pareil, Scrapeuse Marie-Rose sur Instagram. Je te remercie tout plein, mais tu n'étais pas obligée de me remercier. C'était moi, je fais ça pour vous remercier. Et elle ne s'est pas arrêtée là, forcément. Donc, là, on l'a vu tout de suite. Elle m'a mis, oh là, une jolie pochette avec, je ne sais jamais comment elle s'appelle, ces petites pipouettes là. Enfin, il y en a bien une qui me le mettra en commentaire. C'est pas des Tilda. C'est très, très vieux parce que moi, quand j'étais petite, ça existait déjà. Alors, on a vu. J'ai vu. Oh, un AB, une AB, une ou un ABC, je ne sais. Oh, pardon. Oh, foufou, il n'y a pas ton adresse. C'est à ta date de naissance, je suis désolée. Il y a ton mail, ok. Alors, sur les ABC, si j'ai bien compris, on colle le timbre de l'envoi ici. Et il y a une phrase positive qui est donc inscrite sur une ou un ABC, je ne sais pas du tout. Le sens de la vie, c'est justement de s'amuser avec la vie. De Milan Kundera. Kundera. Le sens de la vie, c'est justement le s'amuser avec la vie. Et ça, c'est un débat. C'est un débat. Mais très jolie phrase. Donc, on met toujours une phrase positive ou machin sur son AVC. Je voulais essayer d'en faire aussi. Et puis, il y a aussi un truc que j'aimerais bien essayer aussi, un autre format que j'ai vu. Je ne me rappelle plus. Les kiss aussi, j'aimerais bien faire des kiss. Je trouve l'idée sympa. Donc là, c'est un papier. Ouais, c'est un fond papier. Elle a collé du ruban, des petits nœuds, comment, des fleurs, ouais, des fleurs en résine, des petits strass. Non, ça, c'est pas collé. Et elle a mis une découpe de partition de musique. Là, elle a collé un Hello Beautiful. Donc, c'est ma première ABC. Je crois que c'est une ABC. C'est ma première ABC. Il ne faut pas que j'oublie de mettre les timbres derrière. Je te remercie, tu plains. C'est ma première. Alors, je ne sais pas comment vous voulez classer. Ceux qui savent, mettez un commentaire. Je ne sais pas comment classer ça parce que c'est quand même grand. Hein. Ça mesure combien ça? Ça mesure quand même 19, plus de 19. Je dirais 20 cm. Je n'en ai jamais reçu. C'est ma première. Toi, ma première ABC. Et donc, elle a fait une jolie pochette avec tout plein de trucs dedans. Oui, c'est un pliage. Je connais cette pochette-là. Voilà, c'est sympa ça pour faire des envois. Ça fait des années que je n'en ai pas fait, mais c'est vrai que c'est sympa. Même se coller sur un album ou dans un junk, c'est super. Il y a plein de tutos hein, sur. Oh, génial! Je viens de voir qu'elle m'a envoyé des ATC. C'est dans un joli petit paquet, décoré, assorti. Alors, ATC fruits d'été. Yes! Trop contente! Oh, mais tu m'en as fait trois! J'ai la série complète! C'est trop bien! La une, c'est celle-là. La une, deux et la trois. Sur un fond, alors je ne papier, du washi, des demi. Ah! Je reconnais les perles de diamant painting. Ça fait trop beau. C'est pour ça que j'en ai pris, ce que j'adore. Ça fait un petit reflet brillant et ça fait des facettes. C'est trop bien. Croque la vie.
Et c'est shaker, c'est des stickers shaker. Alors là, je pense qu'on a le citron, donc c'est très estival. Hein. Et là, pareil, la 2 sur 2, c'est fruits d'été, donc crapeuse, marée rose, la 2 sur 3. Et là, on a droit au... C'est le citron aussi. Le citron vert, bonheur, toujours le washi, les demi-perles. Il est pas mal le papier fleuri là du fond. Et la 3 sur 3, c'est une poire. Avec des petits sequins dedans, c'est trop rigolo. Toujours le washi, les demi-perles, et c'est toujours pareil, fruits d'été, et c'est la 3 sur 3. Oh, je suis trop contente, j'adore les ATC, vous savez comment ça me connaît, j'adore, je collectionne. Je te remercie tout plein, je suis trop contente d'avoir des petites créas chez moi. Je te remercie tout plein. Alors ça, je vais les mettre dans mon classeur. Et elle m'a également joint des découpes. On va la regarder ensemble. Oh, je l'avais pas, je ne l'ai pas celle-là. Ça, ça peut être sympa. Elle est super sympa cette découpe. Et hop, hop, hop. Alors celle-ci, je l'ai, mais ça m'invitera de la refaire. T'as dû faire ça dans du fond patouille ou c'est un papier qui est comme ça. Très joli. Nous avons une d'étoile. Je n'ai pas non plus. C'est aussi intéressant de se faire des échanges de découpes parce qu'on n'a pas forcément les mêmes dies. Oh, elle est jolie celle-là. Et là, on a un papillon comme ça. C'est super beau. Avec des voluptes. Super sympa. Je ne l'ai pas. Oh, des petits. Alors ça, j'adore. Oh, mais elles sont bien. Ça s'appelle des libellules. J'appelle mal, moi. J'adore. Ça, je vais me le gourler. Forcément. Ça, ça va être utilisé dans pas longtemps. C'est super. Après, si vous n'aimez pas la couleur du papier, vous pouvez coloriser vos découpes. Vous le savez. Ou les peindre. Ou... Ah, elles sont super jolies, tes libellules. Des libellules, ça me rappelle Sim. Je te remercie tout plein. Ça, parce que moi, de toute façon, tout ce qui est insectes, j'adore. Et forcément, des découpes papillons. Il fallait que je refasse des découpes papillons, ça tombe bien. Des fois, on a la flemme. Hein. Quand on n'a pas la machine électrique, on a quand même la flemme de défaire des découpes. Elle m'a fait tout plein de papillons, donc ça tombe bien. Parce qu'elle m'a parlé des découpes à papillons. Et franchement, j'avais la flemme. Merci, merci. Alors ça, moi, j'ai occasion mes découpes sans faire de pub. Hein. J'en ai plus, là. Voilà. Je suis dans des boîtes comme ça. C'est tout fin. C'est moins cher que Soluscrap. Hein. C'est vient tout simplement de la boutique Bibicraft, qui en vend, je ne sais plus le lot ou à l'époque. Mais voilà. Et je classe toutes mes découpes. Je mets une petite étiquette là. Papillon, arbre, étoile, fleur. Et je mets toutes mes découpes que j'ai ou que vous m'envoyez ou que je fais d'avance dans ces genres de boîtes là. Et vous les empilez, ça prend pas de place. Et c'est super. Et ça, je les ai commandées sur la boutique de chez Bibicraft. Voilà, voilà. J'ai un petit truc en passant. Tous les jolis petits cadeaux. Je suis trop contente pour les ATC. J'adore, j'adore. Je collectionne. ABC, c'est ma première. Je te remercie tout plein, Marie-Rose. Je te fais plein de gros bisous et encore merci. Et comme je te dis, tu n'étais pas obligée, mais je suis heureuse de que tu aies gagné. Et puis voilà, quoi. C'est que du bonheur. Et je te remercie tout plein. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.